Pourquoi passe-t-à foot? Parce qu'on est en Lorraine. Et plus précisément, dans le Pays Haut. Et où ça? À Bussanges. Et ici, le football et la cuisine, c'est pas une tradition, c'est une religion. Alors voici l'arbre généalogique d'un Russangeois typique. Il a un grand-père italien. Une grand-mère portugaise. Un grand-père marocain. Et une grand-mère espagnole. Mais toujours cuisinière par passion, car ici, dans nos familles, on aime cuisiner. Pour faire plaisir aux autres. Pour partager des moments entre mère et fille. Et parce que l'on aime recevoir. Mais il n'y a pas que bien manger qui compte. Se dépenser est important. Et ici, à Russanges, nous sommes tous des sportifs. Et le sport, ça permet de rester en bonne santé, de se muscler, d'avoir l'esprit d'équipe. Mais le sport, ce n'est pas réservé qu'aux garçons. Nous aussi, les filles, nous faisons du football. Alors, lorsque l'on fait du sport, c'est comme qui cuisine. Parce que l'on aime les odeurs, les couleurs, les saveurs et le mélange des goûts. Parce que l'on aime recevoir. Et que l'on a la satisfaction de manger ce qu'on a préparé. Du couscous. De la tourte lorraine. De la polenta. Et du bacalao à bras. C'est quoi? C'est un plat avec de la morue. Mais il n'y a pas que manger dans la vie. Ma grand-mère, elle était dans une équipe de basket. Et ma tante, elle fait de l'équitation. Ma sœur, elle fait de la boxe. Et moi, de la gymnastique. Et le foot ou n'importe quel autre sport, ça aide à oublier les soucis de la vie quotidienne. Tu as bossé, oui? Oui, monsieur. Cela fait perdre les kilos en trop. Cela aide à se sentir bien dans sa peau. Et cela nous fait connaître plein de gens. C'est de la bonne fatigue. Et après une bonne partie de football, entre amis, rien ne vaut un bon plat de spaghettis. Et bien sûr, avec du Chianti.